Je suis Tim de Space News et j'ouvre la 17e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 dont le thème aujourd'hui est Adam et Ève. Je rappelle à toute fin utile que les informations que je communique sont strictement et uniquement de sources extraterrestres transmises noir sur blanc, à l'écrit et en audio, notamment par mon principal contact extraterrestre, Zen. Il ne s'agit pas de télépathie ni de canalisation. Conversation que j'ai enregistrée depuis le début de l'année 2016, donc voilà 8 ans. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'on parle d'Adam, il ne s'agit pas d'une personne, mais d'un groupe de personnes qui est devenu la race adamique. Adam, le premier homme, est le premier lyrien capturé et rendu esclave par la lignée reptilienne. La race adamique sont un groupe d'esclaves lyriens sous le contrôle des reptiliens qui se sont reproduits et qui forment notre société actuelle. Ce sont nos ancêtres. Mais il y a une particularité. Il y a environ 1 million d'années terrestres, une force reptilienne a envahi le système stellaire Vega et les planètes Avalon et Lyra sur lesquelles vivaient des races d'êtres humains qui nous ressemblent. Comme ils vivaient tous en paix, ils n'avaient pas de système de défense et n'utilisaient pas d'armes. Lorsque la puissance reptilienne les envahit, ils finirent par quitter leur planète et fuir par petits groupes. Ils sont allés se cacher dans tous les coins possibles de ce secteur de la galaxie. Ce moment est connu sous le nom de Grande Expansion de la Lyre ou simplement la Grande Expansion. D'innombrables mondes ont été ensemencés avec des humains, par exemple les Terriens, les Pléiades, Humo. Les forces reptiliennes ont continué à chasser les humains presque jusqu'au bord de l'extinction. La Fédération galactique est née de cette volonté de survivre. Elle est composée de milliers d'espèces, mais elle a été créée au départ par des espèces humanoïdes comme moyen de se défendre contre l'invasion reptilienne dans ce cadran de l'espace et contre l'extinction totale. Car certaines planètes avec des humanoïdes de type lyrien ont été ou avaient été tellement dévastées par les forces reptiliennes qu'il ne restait qu'une poignée d'individus. Une colonie lyrienne s'était donc installée sur Terre et vivait en paix au sein d'une société holistique et holographique avancée. Il y avait aussi à cette époque d'autres espèces d'humains, les proto-humains, qui avaient été implantés par les étortants avant que les lyriens de l'espace n'arrivent. Les premiers humains de Lyra ont débarqué sur la planète il y a environ 40 000 ans et ils vivaient en paix avec des espèces d'humains plus anciennes comme les hommes de Néandertal.